cœur du collectif Maluné. Et pour vous, nous avons interviewé Lola et Viola et nous avons assisté aux répétitions et aux échauffements des artistes. On est prête ? Bah ouais. Petite retouche après et puis voilà. Ouais. Lola, que manges-tu au petit déjeuner ? Moi j'ai un petit déjeuner très rituel, c'est toujours pareil, sinon ça va pas. C'est vrai ? Du jus de fruits aux fruits rouges, du pain avec de la confiture ou de groseille ou de cassis, une tartine avec de l'avocat, une banane avec un peu de nocciolata, trop bon. Moi surtout je bois. Je bois au moins un litre de thé, du thé blanc ou du thé vert, et du jus de fruits en petite tartine. Comment s'appelle ce spectacle ? Forever Happily. Toujours heureux. Que raconte le spectacle ? Ça raconte plusieurs histoires des contes de fées, comme le petit chaperon rouge, la petite sirène, la belle au bois dormant, mais ça déconstruit un peu les histoires pour les raconter à notre façon. On essaye de démystifier cette façon de dire où un prince et une princesse sont forcément heureux et de sortir un peu... les éléments pimentés de l'arrière-facette, l'arrière-décor. Comment préparez-vous pour ce spectacle ? On monte le chapiteau. Une fois que le chapiteau est monté, on monte tout le son, les lumières, tout ce qui va éclairer. Et après ça, on commence à faire des répètes en cirque. Et donc, on s'entraîne, on prépare tous nos costumes, on les lave, on les réajuste s'il y a eu des petits soucis au spectacle précédent. Combien êtes-vous dans le collectif et quels sont vos rôles ? On est 7 artistes sur scène. Et ensuite, il y a 2 techniciens, une technicienne qui fait la régie plateau et 3 personnes au bureau. L'idéal et le but, c'est que tout le monde ait à peu près le même pouvoir, la même possibilité d'expression et qu'il n'y ait pas un chef, mais que tout le monde soit au même endroit. Donc, ça demande beaucoup de réunions, beaucoup de mises au point, beaucoup de dialogues, de communication, pour que tout se passe bien d'une façon le plus horizontale possible. On espère que vous allez aimer Forever Happily comme nous l'avons aimé. Le collectif Maluné se représente sur le parking de Crider à Crans-Montana jusqu'au 14 août. Retrouvez aussi les vidéos de Mathieu et Mathias sur les réseaux sociaux du Cirque Sommet. Demain, on se retrouve dans les coulisses du Cirque Pardi.